Arrive à la route touristique. C'est-à-dire qu'ils vont couper pendant 15 jours. Ça va recouper, c'est-à-dire qu'ils vont pas courir pendant 15 jours. Par contre, ils vont continuer, ils vont peut-être pas faire de vélo pendant 5-6 jours. Et ils vont reprendre progressivement l'entraînement pour reprendre les compétitions 4 jours de Dakar. Bah, on va continuer tout de suite. Tiens, il n'est pas dans le groupe de tête, hein, Sébastien Turgot, mais je pense qu'on va le voir tout à l'heure dans le final. On va tout de suite continuer avec Sébastien Turgot. On va parler du matériel, parce que c'est vrai qu'avec la boue qui était annoncée, qu'on verra tout à l'heure, je pense, sur certains secteurs, Sébastien Turgot nous parle du choix de machine, du choix du vélo. Qui a attaqué il y a une trentaine de kilomètres, il y avait 2 minutes d'écart, et on a vu que lui tout seul était capable de boucher 1 minute déjà. Alors que là, regardez, pour qu'il a dû rater son virage, c'est Pichon. Et il a voulu lui tout seul, il a bouché 1 minute, ça veut dire que. Bah,